Bonjour, nous sommes en direct de l'école Marie-Moron dans la salle d'art plastique où travaille la classe des CE2 sur leur thème Cézanne Picasso. C'est quoi le projet Cézanne et Picasso ? Alors le projet Cézanne et Picasso, c'est d'abord aller voir une expo, ensuite travailler sur l'expo, et moi qui suis artiste peintre, je viens travailler dans l'école avec les élèves, les enfants, les instituteurs sur ce projet. T'aimes la peinture ? Bien sûr. Et sur quel projet tu es en train de peindre ? Picasso, Cézanne. Et tu es plus vers Picasso ou plus vers Cézanne ? Picasso. Donc du cubisme ? Pardon ? Tu préfères qui entre Cézanne et Picasso ? Cézanne. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils sont jolis ces tableaux. Quel est votre métier ? Artiste peintre. Vous faites ce métier depuis longtemps ? Depuis bien 20 ans. Est-ce que vous encouragez les enfants à faire ce métier ? Je les encourage d'autant plus que c'est quand même mode d'expression et que quand je vois les résultats et comme ils apprécient de faire ça, oui, je les encourage. Tu es en train de travailler sur quoi ? Sur la nature morte. La nature morte, c'est de Cézanne, Picasso, tu connais ? Non. On a décidé avec le directeur et les instituteurs de faire travailler les enfants sur les deux artistes, mais à la fin, d'organiser, de présenter une fresque géante. Et on va la faire comment ? On va la faire à partir de bois, de peinture, de dessin et plein d'autres choses. Et ça, c'est à venir voir, justement. Tu as pris exemple sur quelque chose ou tu l'as inventé de mémoire ? Oui, j'ai pris exemple sur quelque chose. Tu n'as pas pris de mémoire. Et les objets, donc c'était un nounours, un pot de fleurs, c'est ça ? Des dominos. Et ça, c'est quoi ? Une plume. Sur quelle chose travaillez-vous ? Cézanne. Et toi ? Ben, les deux. Ok. Bon, je vais vous laisser aller retourner travailler. Et bonne fin de journée. Au revoir.